tear your soul apart. Hello les amis, nouvelle rétrospective sur un grand compositeur américain dans tous les sens du terme, à la fois dans le style et dans sa nationalité. On va s'intéresser au grand Bill Conti. C'est parti. Commencer cette rétrospective de la carrière de Bill Conti, faisons un petit récap sur sa carrière. Bill Conti va commencer la musique dès l'âge de 15 ans dans une famille de musiciens. Il commencera sa carrière professionnelle en 73 sur des séries télé. Mais son plus gros succès arrivera dès 76 avec la saga Rocky. Donc commençons par cette saga. Bah, on commence forcément par Rocky 1. Rocky 1, c'est, je dirais, dans l'ensemble de la saga Rocky, c'est assez compliqué d'en parler parce que c'est une fusion de styles. Même si Bill Conti, comme je l'avais dit dans l'intro, est un compositeur américain dans tous les sens du terme, aussi bien dans sa nationalité que dans son style, on peut pas lui enlever ça. Donc, la partition de Rocky 1 est en généralement un style jazzy. Free jazz, on va dire, une fusion de styles. Parce que dans un premier temps, on suit le quotidien de Rocky, hein, bien sûr. Donc, il y a des morceaux comme ça qui font très a cappella, comme ça, avec des chants... comme dans le film d'ailleurs, qui sont très contemporaines. Par la suite, on se retrouve avec des thèmes très galvanisants comme ça, quand Rocky s'entraîne ou quand il y a le combat de fin par exemple, avec des élans militaires qui fait beaucoup penser à la guerre de sécession, hein, voilà, de l'indépendance de l'Amérique. Et bien sûr, des thèmes romantiques extrêmement déchirants, dominé par des violons quand c'est les scènes intimistes avec Adrienne, par exemple, ou bien le final de Rocky. Et en plus, on a des premières chansons funk dedans, interprétées merveilleusement bien par des chanteurs blacks, chanteuses et chanteurs blacks, qui sont de toute beauté.
Donc voilà, j'ai pas besoin de vous dire que cette musique est extrêmement connue de par son même thème déjà d'une, et puis tous ces thèmes galvanisants. Donc Rocky 1, un classique de parmi les classiques. On poursuit avec Rocky 2, forcément. Rocky 2, alors cette fois-ci on est plus en 79, donc dans la période disco, funk assumé. Des années 70, donc forcément les thèmes qui sont repris sur ce vinyle sont très disco, avec énormément de percussions, mais en même temps on retrouve des élans assez psychédéliques, surtout sur le combat de la fin par exemple, où c'est étrangement sombre, avec pas mal d'instruments à cuivre, qu'on retrouve d'ailleurs de nouveau sur ce Rocky 1, que j'avais aussi sur Rocky, qui avait aussi sur Rocky... sur Rocky, enfin sur le premier Rocky quoi. Et donc celui-là, on se retrouve avec dans la même structure musicale, hein, mais cette fois-ci un peu plus disco et funk. Donc Rocky 2, pareil, un classique. Rocky 3. Ben, Rocky 3, là, on est dans une partition, c'est pareil, assez galvanisante, comme d'habitude, avec une touche très marquée Bill Conti, mais cette fois-ci, on est toujours dans la funk, hein, avec des titres très marqués 17, comme ça, avec des chanteurs black, disco aussi, et bien sûr les premiers pas dans MTV avec des chansons totalement rock, hein, pas besoin de vous le rappeler, L'œil du tigre. Donc Rocky 3, un master, et aussi avec un thème dans le film que j'adore en particulier, c'est la mort de Polly. Pas de la mort de Polly, la mort de Mickey, je veux dire. On voit où c'est étrangement assez dramatique, assez sombre, et dans un premier temps, énormément de violon, et ce thème est magnifique, pas besoin de vous le dire, un classique. Ensuite, on fait une petite halte dans la carrière de Bill Conti, parce qu'il n'a pas fait la musique de Rocky 4, hein, c'est un autre compositeur, et celle-là, on est en plein dans la période MTV, alors là, complètement assumé, avec toutes ces chansons New Wave, pop-rock, variété, enfin tout ce qu'on veut, c'est vraiment un joyau, en tout cas sur ce disque-là, il y a toutes les chansons. Hop, celui-là, c'est un maxi 45 tours, c'est le tout premier maxi 45 tours de Rocky 4. Donc avec L'œil de tigre dessus, et puis voilà, et puis la chanson de Rocky 4 aussi, hein. Voilà, ça c'est un picture disc qui était issu du score de Bill Conti. Alors c'est assez rare ça, mais on peut le trouver sur internet. Donc ben, Bill Conti, qu'est-ce que je raconte, non, c'est pas la musique de Bill Conti, c'est voilà, c'est tout le score de Rocky 4 avec cette musique électronique très galvanisante, donc voilà, c'est assez rare ça. Il y a un maxi 45 tours de la chanson de James Brown, donc en plusieurs versions, version longue, remixée, et puis voilà, version album, enfin voilà, version du film. Et on poursuit avec peut-être le Rocky le moins apprécié, en tout cas pour moi. Et là, on revient sur Bill Conti. Cet album-là, ce vinyle-là, c'est que les chansons du film. Donc, cette espèce de rap de l'époque, surf, smurf plutôt, je dirais, totalement inscrit dans les années 80. Donc, à part quelques thèmes qui étaient d'ailleurs composés par Bill Conti, la plupart des chansons sont assez datées. Donc, pas besoin de vous dire que voilà, pour moi c'est très limité, et par contre le score de Bill Conti est pour moi le Rocky le moins galvanisant, le moins travaillé aussi, c'est très marqué années 80, donc voilà, Rocky 5, c'est vraiment, parce qu'on est collectionneur, on l'a, mais voilà, en plus la pochette est superbe, donc voilà, et en super bon état en plus. Voilà, je crois qu'on a fini avec les Rocky. On va passer avec sa deuxième saga qui va le rendre extrêmement connu aussi. Hein. Et c'est parti pour Karate Kid.
Continuons notre rétrospective Bill Conti avec la saga Karate Kid. Karate Kid 1. Alors, Karate Kid 1, c'est tout simplement... là, on fait connaissance avec nos personnages dans le premier film, avec Daniel San, Daniel LaRusso et Maître Miyagi. Donc, dans un premier temps, dans le film, on a des scénettes ou toute une première heure, en tout cas, sur le quotidien de Daniel et ses difficultés d'adolescent. Et on se retrouve dans des thèmes très contemporains, très pop, aussi très marqués années 80. Et dans la deuxième partie, cette fois-ci, on rentre dans l'aventure. Donc, avec ces scènes d'action, ces entraînements. Et là, on est plus dans un style... voilà, quand on s'intéresse à des influences, bien sûr, folk, asiatique, avec de la flûte de pan qui domine, et tous ces thèmes galvanisants qui sont la signature de Bill Conti. On est dans la même structure musicale que Rocky, quelque part. On est dans des films ressemblants, donc cette partition, ce score, en tout cas, est très marqué, à la fois contemporaine et traditionnelle. Donc, c'est un joyau. Hein. C'est un de mes préférés avec Karate Kid 2. On poursuit avec Karate Kid 2, forcément. Et dans celui-là, on s'intéresse, si vous connaissez le film, on s'intéresse plus à Maître Miyagi, parce qu'on là, on se retrouve carrément en Asie, hein, enfin dans son pays d'origine. Et bien sûr, hein, le score est dominé par ces élans folk, donc asiatiques. Donc beaucoup de flûtes de pan, beaucoup d'instruments comme ça. Et bien sûr, on retrouve ces thèmes galvanisants dans ces scènes d'action. Et c'est le score le plus romantique de toute la saga. Et pour moi, c'est celui que je préfère. C'est vraiment un joyau. Donc, c'est le plus intéressant, le plus travaillé aussi. Donc, Karate Kid 2. Ensuite, Karate Kid 3. Alors, Karate Kid 3, c'est celui qui est le moins intéressant. On revient à des thèmes beaucoup plus contemporains, on retourne aux États-Unis, et là c'est un peu plus sombre, parce qu'il y a bien sûr il y a toute une partie du film où Daniel LaRusso se retrouve à être un peu perdu, à perdre ses valeurs en fait, avec une confrontation avec Maître Miyagi, et on ressent ceci dans le score, c'est-à-dire un score beaucoup plus sombre, avec un peu plus de synthé qui décline justement toutes ces scènes. Et on trouve ces scènes galvanisantes, bien sûr, et les thèmes principaux de Rocky, de Karate Kid 1. Donc voilà, c'est un bon score, mais c'est peut-être le plus faible des trois films. Et en plus de ça, il a fait aussi le score de Karate Kid 4, mais c'est tellement mauvais, c'est tellement peu intéressant que j'ai à la limite, on n'a même pas besoin d'en parler. Il y a peut-être un ou deux thèmes qui sont sympathiques, galvanisants, mais dans l'ensemble, ça fait un peu de la Reddit et c'est pas extraordinaire. Là, par contre, je vais vous présenter les vinyles avec toutes les chansons. Donc, on revient sur le premier film. Et sur ce premier film, on retrouve une multitude de groupes qui jouent, hein, d'ailleurs. Par exemple, il y a quoi ? Il y a Survivor qui revient, qui refait une chanson, d'ailleurs. Et Bill Conti a composé la musique de certaines chansons, hein, arrangé et composé la musique. Donc, il y a trois chansons. Donc c'est pas totalement inutile, hein, même si moi j'aime bien ces chansons-là, mais c'est des chansons typiques des années 80, donc c'est de la pop-rock, faut aimer. On peut le posséder parce que Bill Conti a quand même composé et arrangé certaines chansons, trois au total, hein, sur le premier film. Donc Karate Kid 1. Ensuite, Karate Kid 2 forcément, hein, toujours avec une multitude de chansons pop-rock, plus new wave cette fois-ci, hein, parce que là on est plus vers la fin des années 80, donc... plus New Wave, et Bill Conti a composé et arrangé sur deux morceaux, sur celui-là, le thème principal, enfin la chanson principale du film, et une autre, voilà, donc c'est pareil, c'est un album à posséder quand on est
collectionneur de scores de musique, et moi, comme je suis fan de Karate Kid, donc voilà, je l'ai. Karate Kid 3, bah, c'est pareil, là, Bill Conti, cette fois-ci, a composé que seulement un seul morceau, composé la musique et arrangé. Sinon, le reste est assez... là, on est à la fin des années 80, donc les morceaux sont pas extraordinaires. Par contre, là, sur ce vinyle, il a quand même rajouté un ou deux thèmes en plus qu'on avait sur les CD, hein, de score en tout cas. Et la musique est très, très secondaire, on va dire. C'est peut-être le plus faible des trois vinyles. Karate Kid 3. Et j'ai pas Karate Kid 4, voilà, pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on a fini la rétrospective pour Karate Kid. Et maintenant, je vais vous parler de la troisième partie, les films un peu en vrac, comme ça. On va revenir sur du Stallone, et je vais vous parler de quelques séries et de films qui m'ont plu de la carrière de Bill Conti. C'est parti. Troisième partie. Une sélection en vrac de séries et de films de Bill Conti. Donc on commence par ce CD qui est en fait 3 BO réunis. Il y a Nord et Sud, il y a Dynasty et il y a L'étoffe des héros. Alors L'étoffe des héros, c'est un film. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis sur ce disque. Ils auraient pu mettre 3 séries par exemple. Alors en tout cas, commençons par Nord et Sud, une mini-série d'anthologie des années 80 avec Patrick Swayze par exemple. Et cette musique est très américaine, à la fois traditionnelle, folk et très galvanisante. On est dans un soap-opéra d'époque, donc forcément la musique qui l'accompagne est forcément romantique, avec des thèmes guerriers aussi. Donc c'est extrêmement travaillé, c'est un joyau, je vous le conseille, Nord et Sud, c'est énorme. Et il y a une demi-heure aussi de Dynasty. Donc Dynasty, c'est un soap-opéra des années 80, concurrent direct de l'autre série qui s'appelait Dallas. Et cette musique, Bill Conti a fait seulement le pilote et a créé le main titre, c'est-à-dire le générique de la série qu'on connaît tous. Et cette musique est excellente, même si on n'aime pas forcément la série. Le score te fait rappeler cette richesse, parce qu'en fait, la famille Carrington, qui sont les personnages de la série, sont tous richissimes, beaucoup plus riches que les Ewing dans Dallas, d'ailleurs. Et justement, il arrive à travers sa musique, à travers son score, à te montrer toute cette fortune. Et c'est extrêmement travaillé, extrêmement symphonique, avec beaucoup d'instruments à cuivre, comme ça. C'est totalement américain, et c'est superbe. Et le troisième score, qui est L'étoffe des héros, bah, là, on est dans la conquête de l'espace, donc un film, un drame sur la conquête spatiale. Et là, on est totalement dans l'héroïsme américain, dans un style très 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 marqué américain. Donc ça, c'est le score que j'apprécie le moins sur cet album. Donc on est assez proche d'un space cowboy de Clint Eastwood, si vous vous souvenez bien de la musique de ce film. Et ben on est dans la même structure musicale. Pour moi, c'est je l'aime bien, mais sans plus. Voilà. Donc pour ces 3 scores sur ce disque. Et puis je vais poursuivre sur quelque chose d'improbable, sur un James Bond, parce que Bill Conti a fait la musique d'un James Bond, et je voulais vous en parler parce que c'est tellement lunaire, tellement particulier dans la structure musicale de James Bond, qui est assez calibrée, on peut pas y toucher, hein. Et cette fantasy est arrivée en 81, donc avec ce film « Rien que pour vos yeux ». En fait, on est dans la période Roger Moore, donc dans la période Roger Moore, on pouvait se permettre une multitude de fantaisies. On n'était pas dans la période Sean Connery. Sean Connery, c'était assez calibré, assez traditionnel espionnage, que dans la période Roger Moore, on était plus dans la fantaisie avec les gadgets, avec les punchlines,
avec la cool attitude de Roger Moore, et ben la musique, le score, ben c'était pareil, hein, que ce soit Octopussy, que ce soit L'espion qui m'aimait, ou bien celui-là, et je pourrais vous en parler de tous les autres. Mais en revenant sur ce film, Bill Conti, t'as fait une musique totalement disco, totalement contemporaine, et il casse totalement les codes orchestrales de la saga. Et c'est vraiment, faut aimer. Hein. Attention, c'est assez particulier et faut aimer. Et moi, j'adore ça. Donc, rien que pour vos yeux, c'est une pure fantaisie. Ensuite, j'aurais pu vous parler aussi sur ma petite note là de tous les films qu'il a fait avec Stallone, parce qu'il a quand même fait beaucoup de films. Donc, il a fait Haute Sécurité, par exemple. Donc, ça, Haute Sécurité. Je ne l'ai pas malheureusement, mais je pense que je vais l'acheter très prochainement. Donc on est dans une structure américaine aussi, avec des élans comme ça, très déchirants, romantiques, avec beaucoup de piano qui domine, et aussi avec des chansons funk aussi, chantées par des interprètes black, hein, donc très galvanisant. J'aurais pu aussi vous parler d'un score de La Taverne de l'Enfer, ben, le premier film de Stallone. Hein, et puis là, on est plus dans la folk américaine, ou en tout cas dans des élans comme ça, un peu italo-américaine. Forcément, c'est le sujet du film. Sinon, il a fait aussi Fist, hein, toujours avec Stallone. Fist, là, donc on est dans une structure américaine aussi. Je dirais traditionnel aussi, hein, voilà, on est dans un film de syndicat, donc forcément un film d'aventure. Et il a aussi fait un autre film qui s'appelle À nous la victoire avec Stallone, toujours, hein, un des premiers Stallone d'ailleurs, de la période Rocky 1, enfin de la première période des années 70. Donc on est dans un film de guerre, donc forcément une structure avec des thèmes héroïques, donc là on est plus dans le patriotisme américain. Et je vais vous parler aussi de Bad Boy. Alors Bad Boy, c'est pas un film avec Stallone cette fois-ci, mais un film avec Sean Penn, un petit film des années 80 qui m'a énormément plu. Et ça, le score est totalement déchirant. On est dans un scénario où on suit les aventures d'un jeune loubard, d'un bad boy donc, qui essaye de s'en sortir, mais tout de suite il est rattrapé par ses fantômes, par ses connaissances, et on sait dès le départ du film que ce personnage va pas s'en sortir et que ça va très mal se terminer pour lui. Et la musique est totalement déchirante, magnifique, une très belle partition de Bill Conti. Donc ça, malheureusement, je ne sais pas si on arrive à le trouver ni en vinyle ni en CD. J'ai essayé de faire des recherches, c'est compliqué. Mais c'est un très très beau score de Bill Conti. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. On a fait une très très belle sélection de ce grand compositeur italo-américain et très marqué dans son style de la société américaine. Donc voilà, pour tout ça, monsieur Bill Conti, on vous remercie et je vous dis à très très bientôt, les amis, pour une prochaine rétrospective. Bye bye, à bientôt.